Je suis cofondateur d'une coopérative qui s'appelle Copcité, qui a été créée il y a 3 ans et qui n'a pas encore abouti à son projet parce que pendant 3 ans, on a à l'intérieur de Copcité déjà géré l'humain. Parce qu'avant de parvenir à un résultat, il faut déjà gérer l'équipe à l'intérieur. Et c'était une expérience de thérapie collective et on y arrive au terme de cette thérapie. Donc le projet que je vais vous présenter rapidement, c'est lequel ? Et on est parti de 2 constats. Le premier constat, c'est qu'il n'y a pas de changement à l'extérieur s'il n'y a pas de changement à l'intérieur. C'est que le problème, c'est l'être humain, que ce soit au niveau central, c'est-à-dire le chef de l'État, qu'au niveau individuel, notre capacité à agir dépend de notre capacité à dépasser nos propres peurs. Premier constat. Deuxième constat, c'est qu'individuellement, si on ne prend pas conscience qu'on doit changer, il ne se passera rien. Pour faciliter cette mise en mouvement de l'individu, il faut identifier les outils pour transformer l'individu. Et donc, depuis 3 ans, on a identifié des outils dans le domaine de la nutrition, de l'alimentation, de la médecine, de la capacité à créer soi-même à travers l'art et la culture. Et donc, en fait, on a fédéré une centaine de faiseurs très concrets, d'outils à proposer. Et notre objectif à travers la coopérative, où donc tous ces gens sont sociétaires, c'est de créer un lieu qui sera en fait un accélérateur de capacité individuelle à changer en ayant des outils à disposition.